Anne Frank est née en 1929 et meurt en 1945. Elle est née irlandaise. Anne Frank est une jeune fille de confession juive, victime de la barbarie nazie. Elle a vécu cachée, à Amsterdam pendant 2 ans, avant d'être arrêtée et déportée. Le journal qu'elle a écrit, décrivant son histoire, a bouleversé le monde entier. Anne grandit dans une famille juive à Francfort, en Allemagne. En 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir et instaure le nazisme. La politique qu'il mène est très dure, il persécute les personnes qu'il n'aime pas, comme les Juifs, qui doivent fuir pour rester libres. Les Francs se réfugient alors à Amsterdam, aux Pays-Bas. Le père d'Anne, Otto, y crée une entreprise de confiture. Mais, en 1940, Hitler envahit le pays et oblige les Juifs à porter une étoile jaune pour qu'on les reconnaisse. La famille décide de se cacher dans une annexe de l'usine. Anne, qui est très douée pour écrire, raconte tout dans son journal intime. Ses peurs, ses colères, ses joies. Durant la journée, il ne faut faire aucun bruit, car les salariés de l'entreprise travaillent juste en dessous. Le soir, des amis leur apportent discrètement à manger. Anne ne perd pas espoir. Elle écrit à Kitty, son amie imaginaire, « Je rêve de devenir un jour journaliste et plus tard un écrivain célèbre. » Mais elle est arrêtée, avec sa famille en 1944, et déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, où elle meurt d'une maladie. Son journal, un merveilleux témoignage, a été publié et traduit en 32 langues. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire.